Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes aux moments captivants des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous? Commencez. Cela faisait maintenant de longues semaines que l'incertitude planait sur l'avenir de Julian Alaphilippe. Dans sa dernière année de contrat avec la formation Soudal Quickstep, le Français était au cœur de nombreuses rumeurs à propos d'un possible départ. Le verdict vient finalement de tomber de la bouche de Patrick Lefebvre, patron d'Alaphilippe, il va partir. Reste maintenant à savoir où le compagnon de Marion Rousse va poursuivre sa carrière. Il est clair que Julian Alaphilippe a pris une décision quant à son avenir, même si les détails officiels n'ont pas encore été révélés. Sa récente performance aux Jeux Olympiques a peut-être renforcé sa détermination à choisir le meilleur avenir possible pour sa carrière, malgré l'absence de médailles. Sa déclaration laisse entendre qu'il a déjà fait son choix et qu'il s'apprête à annoncer la nouvelle bientôt. Les fans et les observateurs du cyclisme seront probablement impatients de découvrir la nouvelle destination du coureur français. Les rumeurs pourraient continuer à circuler, mais la confirmation officielle apportera enfin des réponses aux questions qui se posent autour de son avenir professionnel. Il sera intéressant de voir comment ce nouveau chapitre influencera ses performances et ses objectifs futurs, et quel impact cela aura sur les équipes du peloton qui cherchent à renforcer leurs effectifs pour les prochaines saisons. L'annonce de Patrick Lefebvre confirme donc ce que beaucoup pressentaient, Julian Alaphilippe quittera la Soudal Quickstep à la fin de la saison. C'est un tournant significatif non seulement pour le coureur français mais aussi pour l'équipe belge qui perd un des talents majeurs de son effectif. L'état de santé d'Alaphilippe et ses difficultés récentes témoignent probablement du poids de cette décision sur lui. Il est clair que cette situation n'a pas été facile pour le coureur, et ses émotions ont été visiblement intenses. Le fait qu'il ait pris l'initiative de contacter directement Lefebvre montre l'importance qu'il accordait à cette transition et au respect des relations établies avec son équipe actuelle. Maintenant, il reste à savoir quelle sera la prochaine étape pour Alaphilippe. Avec son talent et son palmarès impressionnant, il ne fait aucun doute qu'il attirera l'attention de plusieurs équipes. Les prochains jours devraient apporter des éclaircissements sur ses futures destinations et les ambitions qu'il souhaite poursuivre dans les saisons à venir. L'intérêt de Total Energies pour Julian Alaphilippe semble effectivement être une piste sérieuse. Avec la volonté de la Soudal Quickstep de le retenir malgré une offre révisée, le départ d'Alaphilippe semble désormais imminent. L'équipe Total Energies, en quête de renforts prestigieux pour renforcer son effectif, apparaît comme une option naturelle pour accueillir le coureur français. Le choix de Total Energies pourrait offrir plusieurs avantages à Alaphilippe, environnement familial, évoluer au sein d'une équipe française pourrait être un facteur attrayant pour Alaphilippe, en particulier avec des objectifs nationaux et une proximité culturelle. Ambition sportive, Total Energies, avec des ambitions croissantes et un programme solide, pourrait offrir à Alaphilippe l'opportunité de viser des objectifs de haut niveau, y compris les grandes classiques et les grands tours. Partenariat et visibilité, travailler avec une équipe qui valorise les grandes performances et les stars du peloton pourrait également offrir à Alaphilippe une plateforme pour briller encore davantage. L'annonce officielle de sa nouvelle équipe ne devrait pas tarder, et elle clarifiera les plans futurs d'Alaphilippe ainsi que les ambitions de Total Energies pour la saison à venir. En attendant, les spéculations continueront probablement jusqu'à ce que le transfert soit confirmé. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. À bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé.